J'en ai marre, je comprends rien, je suis crevé là. Ouais, comme d'hab quoi en fait. Ben les gars, qu'est-ce que vous faites? Y'a pas quoi aujourd'hui? Toujours à la bourre toi. Les études c'est fini, on travaille maintenant. Regarde, je suis expert en moteur. Mais non. Vas-y regarde, moi j'ai fini commercial. Eh oui, terminé les cours et la théorie. J'occupe désormais un poste à responsabilité. Tu vois, pour moi, le métier de commercial, c'est avant tout le contact avec les clients. Il faut savoir débattre et argumenter pour les convaincre. Pour bien les conseiller, il est indispensable de vraiment bien connaître ses produits. C'est une approche tout en nuances et en subtilité. Moi, je suis dans les moteurs comme je l'ai rêvé petit. Je dois avant tout démonter et changer les organes qui s'usent au fil du temps, les pièces qui se détériorent en travaillant. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Il y a de la technique aussi. Je fais par exemple des tests sur un bas moteur pour vérifier la puissance. Pour moi, un moteur qui tourne mal, ce n'est pas un moteur. Ah, t'es là toi? Mais va voir où je bosse maintenant. Tenir le magasin, ben, c'est super important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il faut gérer les stocks, renseigner. Comment on fait quand une pièce est cassée ou à remplacer? Si elle n'est pas en stock, on perd un temps fou. Aujourd'hui, je suis devenu technicien spécialisé dans les domaines de l'hydraulique et de l'électricité. Ce sont deux spécialités qui m'ont toujours attiré. Maintenant, je m'occupe des contrôles, des démontages, des réparations et des remplacements qui vont de la petite à la grosse machine. Mais tu vois, moi maintenant, je travaille au montage de matériel neuf, surtout des outillages qui arrivent en pièces détachées à l'atelier. Mon job consiste entre autres à assembler les pièces. Mais je monte aussi mes propres options sur les différents engins de la gamme. C'est à la fois physique et minutieux. J'adore mon travail et je pense qu'une femme a largement sa place ici. Dans nos métiers, il est très important de s'adapter à l'évolution technologique et de connaître les nouveautés. Je suis formateur. J'interviens directement auprès des professionnels pour qu'ils soient performants et toujours à la page. Pour exercer cette profession, il faut aimer partager ses connaissances. Être sérieux et rigoureux. Moi, je suis devenu conducteur d'engins agricoles. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est des responsabilités. Il faut prendre soin du matériel, et on ne compte pas ses heures. Surtout quand il faut ramasser les cultures arrivées à maturité. Je suis employé dans un bureau d'études. Dans ce métier, les maîtres mots sont précision, organisation et patience. Il faut être très méticuleux. J'ai toujours aimé l'informatique et le machinisme agricole. Hé, réveille-toi, ça va sonner. Oh, le rêve de fou. Ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Eh ben, c'est pas trop tôt.